Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous transmettre des messages. Ce sera peut-être des petits messages flash, je sais pas, on va voir, je sais pas du tout sur quoi ça va porter. Donc bien sûr, c'est du général, vous prenez que ce qui résonne au plus profond de vous. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, ça va. Merci pour tous vos témoignages, merci pour vos jolis commentaires aussi. Bienvenue aux nouvelles personnes. Une pensée aux anciens, aux anciennes aussi. Et on va voir un petit peu ce que je peux vous dire. Je sais pas du tout sur quoi ça va porter. On parle d'une femme et de sa famille. On parle d'une femme dans sa famille. Et il y a un retard pour cette femme dans sa famille. Elle a des retards. C'est une femme qui n'a plus du tout de plaisir charnel. Elle a plus de sexualité, hein. Il y a des retards dans sa famille, elle a plus de sexualité. Il n'y a plus de plaisir charnel pour cette femme, il y a du retard au sein même de sa famille, pour elle et sa famille. On me dit que cette femme est dans un blocage par rapport à un certain retour. Cette femme attend un certain retour et en fait, ça joue un blocage par rapport à ce retour. Il peut y avoir des disputes, des discussions houleuses pour cette femme. Il va y avoir des discussions houleuses pour cette femme. Va peut-être pas la comprendre, on me dit. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Ce sera peut-être des autres messages, hein. Après, à vous de. Là, comme c'est des messages flash que j'avais envie de faire, à vous de faire le lien s'il y a des liens à faire, si vous avez d'autres messages à recevoir ou pas, ou si le message était terminé. Comme c'est pas une guidance, voilà. C'est des messages flash. Donc il peut y avoir une dizaine de messages. Allez, je vais chercher. Hein. Alors là, pour moi, c'est toujours pour cette femme, en fait. Il y a de la jalousie autour de cette femme. Et cette jalousie, en fait, ça lui procure beaucoup de blocage. Hein. Dans cette jalousie, en fait, il peut y avoir des discussions très, très houleuses, soit qui sont actuellement, soit qui vont arriver. En tout cas, il va y avoir des discussions pour cette femme. C'est des discussions qui ne vont pas lui faire très, très plaisir. Hein. Ça sera voilà, en relation aussi avec cette jalousie qui est autour de cette femme. On me dit aussi que pour cette femme, ça va pas lui faire plaisir en fait, donc ces discussions houleuses, et ça lui fait pas plaisir non plus aussi ces jalousies, ces trahisons, tout ce qu'il y a autour d'elle en fait, ça lui fait pas plaisir. Hein. On me dit que le message est terminé pour cette femme, donc on va en chercher un autre. Hein. On va aller en chercher un autre. Alors on parle d'un homme qui est actuellement, qui va l'être bloqué dans certaines discussions, en fait, par rapport à certaines discussions qu'ils vont avoir. Ça peut être aussi des discussions assez houleuses. Il va y avoir de la mésentente en fait dans ces discussions. Il va y a pas, il y aura de la mésentente. Là, je vois un homme en fait, toujours le même homme, qui est bloqué actuellement, mais qui vise la joie, qui vise une certaine joie. Donc soit une joie pour lui tout seul, soit une joie avec une personne.
un homme, toujours le même homme, en fait, qui est bloqué dans une séparation. Soit c'est lui qui se bloque par rapport à une séparation, soit c'est quelqu'un qui le bloque dans une séparation. Et ça crée, cet homme est vraiment très très perturbé, très très instable. Très très chamboulé, très très instable. Il sait pas... Petit message s'il vous plaît. Mais je vois que cet homme va récupérer sa chance, en fait. Hein, va récupérer une forme de chance. En fait, je vois cet homme qui attend qu'il y ait une certaine roue qui tourne en sa faveur, en sa chance. Il croit en sa chance. Hein. Il croit en lui, il croit en sa chance. Même si actuellement, en fait... actuellement, ça lui porte tout ça, ça, tout ce qu'il est en train d'endurer, en fait, ça lui apporte pas du tout de joie ni de bonheur. Donc, il est bloqué, hein, il est bloqué, il n'est pas en joie. Mais cette chance, en fait, va débloquer le bonheur, la joie pour cet homme. Ça va se débloquer, il va y avoir un déblocage par rapport à tout ça. Cet homme peut avoir aussi besoin de faire un travail par rapport à la joie, au bonheur, à des peurs par rapport à la joie, par rapport au bonheur, à faire un travail aussi sur lui-même, un travail aussi, aussi sur peut-être la peur de la chance en fait. À force, on me dit, à force d'avoir eu toujours de la malchance, en fait, ça peut réveiller une peur pour cette personne sur la chance, sur le bonheur, sur... ouais. Il y a une peur, il y a un réveil de peur en fait. Allez, on dit que ce message-là est terminé. On va en prendre un autre. Allez, petit message. Non, je vais faire une coupe. Attendez. Alors là, on parle d'une personne. D'une personne en fait qui doit faire un travail sur elle-même par rapport à son enfant intérieur, activer votre enfant intérieur, rigoler, souriez. Vous devez vraiment travailler, appuyer, on me dit appuyer sur le bouton de votre enfant intérieur. Ouais, et en fait. En fait, on me dit que cette personne peut avoir un travail à faire sur elle-même par rapport à son enfant intérieur. Elle rigole pas trop. Elle est très très sérieuse parce qu'en fait, elle est actuellement dans des études ou prochainement, il va y avoir des études. Elle va passer des examens, un diplôme, une formation. Et en fait, tout ça, c'est très très... Enfin voilà, elle est très perturbée. Elle a un peu peur aussi. Il peut y avoir de l'angoisse. Mais voilà, il faut absolument, pour pas que vous perdiez pied en fait, et que vous réussissiez vraiment, voilà, que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour réussir, en fait, on me dit que vous devez vraiment appuyer sur le bouton de votre enfant intérieur et de retrouver cet esprit un peu léger, de rigoler, de vous amuser. En tout cas, voilà, je vois que cette personne, en fait, est vraiment... à fond dans son travail, hein, dans son travail, dans ses études, dans l'apprentissage pour cette formation. Soit elle l'est, soit elle l'est déjà. Voilà, elle va vraiment se donner à fond et se donner vraiment tous les moyens de vraiment réussir tout ça. Mais activer vraiment ce... Voilà, vous pouvez faire une pause. On me dit que vous pouvez faire une pause pour vous relaxer, pour vous changer les idées. Et pour prendre du bon temps aussi. Hein. Ouais, ça bloque. Je vois que ça bloque en fait tout ce que... En fait, ça bloque un certain... certaines réunions, même des certains liens dans votre famille à cause de vos études. Et en fait, voilà, on vous dit de souffler un bon coup pour reprendre des énergies et pour foncer vers votre réussite. Hein.
Voilà. Vous travaillez chez vous. Vous étudiez chez vous. Voilà, ce message-là est terminé. Donc, ben, soufflez, hein, reprenez de l'énergie pour pouvoir aller au bout de ces épreuves et de ces examens. Allez, je sais pas si c'est... Oui. Alors, maintenant, on va prendre celui-ci. Et je vais... On va regarder ce que je peux vous transmettre. Hop là. Allez, on y va, c'est parti. Petit message. Alors là, on parle de lien toxique qui peut bloquer une certaine chance pour une personne. On dit qu'on s'oppose. On s'oppose à ce que vous obteniez une certaine chance dans votre vie. Et en fait, je vois que en n'allant pas en fait sur cette certaine chance par rapport à des à cause de certains liens toxiques qui sont autour de vous, en n'allant pas sur votre route en fait de votre chance, de votre bonheur, ça crée un déséquilibre et en fait ça vous fait perdre une certaine liberté. Et ça vous fait vivre des événements, en fait, des événements très très c'est des événements lourds, voire très très lourds. On parle d'une femme en non-communication. D'une femme qui est en non-communication. Cette même femme en fait et on me dit qu'il y a de la non-communication par rapport en fait à tout ce qui est le plan financier. Ou alors c'est une femme qui peut vous ralentir en fait sur le plan financier. Et en fait elle veut pas discuter tout ce qui est en fait basé tout ce qui est attendez tout ce qui est en relation avec par rapport au financier, en fait elle veut pas en discuter avec vous, en fait elle se bloque par rapport à ça, elle veut pas en parler, elle veut pas en discuter. Là, on parle d'une personne, en fait. Je pense que c'est un autre message ou c'est la continuité. Hein. On parle d'une personne qui est indépendant, en fait. Mais dans son indépendance, en fait, ça... soit cette personne est trop indépendante et ça la rend malade, ou alors c'est par rapport à l'indépendance, en fait. Ça peut être dans le professionnel, auto-entrepreneur... ou voilà, auto-entrepreneur, ou tous les statuts, aidez-moi, tous les statuts d'entreprise. Et en fait, c'est soit cette personne est déjà indépendante et elle cherche à être encore plus indépendante, mais ça la rend malade en fait. Elle se rend malade pour certaines choses. Et on vous dit, en fait, pour contrer cette maladie, ou soit psychologique, soit physique, voilà, pour contrer ces choses, en fait, on vous dit vraiment de vous reposer et de changer vos énergies. Je pense qu'il ne faut pas que vous continuez, en fait, à toujours penser sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, parce qu'en fait, ça crée encore plus de blocages intérieurs, extérieurs. Et en fait, il faut vraiment que vous reposiez.
Prenez un temps de repos, profitez, changez vos énergies et vous verrez que après, en fait, ça va vous faire du bien et ça va être, vous allez pouvoir être plus productif après. On dit mieux penser aussi. On parle d'une personne qui souhaite faire un voyage, mais qu'en fait c'est retardé actuellement avec tous les événements qui se passent actuellement, avec les mesures de confinement. Et en fait, ça, cette personne, bah, elle se dit, oh là là, je retombe dans une certaine malchance. Mais en fait, cette personne désire vraiment faire ce voyage vers vous. Vers vous, ou vers, soit vers la personne de son cœur, soit vers même des personnes de sa famille ou autre. Cette personne désire faire un voyage. Et en fait, elle se dit, oh là là, je retombe dans une certaine forme de malchance. Il peut y avoir une peur aussi, hein, par rapport à ça. Alors, on y va. Petit message. On va faire quelques-uns comme ça. Donc là, on parle d'un jeune homme. D'un jeune homme. Donc, soit la personne de votre cœur, soit c'est vous, soit c'est un lien qui est autour de vous. On me parle que ce jeune homme est dans un bien-être. Hein. Il est serein, il est dans un bien-être. Voilà, il est en équilibre psychologiquement, physiquement aussi, il est en bonne forme. Je le vois en bonne forme et en fait, on me dit qu'il est en train de s'élever, hein, de s'élever dans sa vie. Dans son professionnel, dans son sentimental et dans son familial. Il est en pleine transformation, en pleine élévation. Hein. Il s'élève. Et c'est un jeune homme qui est vraiment très très fidèle. Hein. Très très fidèle. Par rapport à tout ce qu'il entreprend. Hein. Par aussi, il est fidèle à lui-même. Hein. Par rapport à son bien-être, à sa santé. Par rapport aussi à sa... Par rapport aussi à son spirituel. Hein. Il est fidèle à toutes ces choses, en fait. Qui sont profondes à l'intérieur de lui. Hein. Je sens quelque chose de très profond. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît. On va s'en faire un petit dernier. Puis après, je vous laisserai. C'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Avec cette petite vidéo. Ça me fait un bien fou. De vous retrouver. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. J'adore vous lire. Alors là, je vois... Il y a pour une personne, il y a des festivités qui arrivent. Ça va être la fête. Ça va être la fête. Je vois des communications qui arrivent. Des communications qui... On me dit que vous allez attirer à vous certaines communications. En tout cas, la personne qui est en face de vous, en fait, ressent le besoin, hein, de communiquer avec vous, de vous écrire, de fêter certaines choses, de sortir. Hein. Fêter, ça peut être fêter des choses, mais ça peut être aussi juste sortir, partager des moments. Voilà, il y a un partage de moments, un partage de bien-être, de petits bonheurs qui font des grands bonheurs aussi. Je vois aussi des écrits, hein. Il y a des écrits. En fait, il y a des écrits, il y a des contrats. Alors, soit c'est cette même personne qui va vous proposer un certain contrat. Ça peut être un professionnel ou un contrat de mariage. Un contrat de mariage ou de Pax ou autre, il y a un contrat, il y a une notion de contrat. Ça peut être un bien immobilier aussi, donc pour un emménagement, un déménagement. Donc voilà, il va y avoir une naissance. Ça repart sur des loisirs, sur des événements festifs, joyeux, positifs aussi, voilà.
Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros, gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis à très, très vite pour les prochaines guidances. Et je vous dis à très, très vite. À bientôt. Bisous, bisous.